Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, notamment pendant cette édition de vendredi, on essaie de vous présenter les grands événements qui ont eu lieu ici en Égypte durant les derniers jours. Donc un moment après ça, je vais être en votre compagnie pour avoir plus d'informations en ce qui concerne ce qui s'est passé ici en Égypte, encore une fois, durant les derniers jours. Commençons donc notre tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et à cet égard, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sissi a inauguré lundi dernier le Salon international des industries militaires et défensives EDEX 2021, organisé sous son patronage avec la participation de 400 entreprises exposantes de 42 pays. Il s'agit de la deuxième édition du salon qui se tient dans le cadre, qui se tient dans le centre des conférences des foires internationales au Nouveau Caire du 29 novembre au 2 décembre. Les grandes entreprises égyptiennes mondiales opérant dans le domaine des industries défensives participent également au salon qui abrite 21 pavillons internationaux. Plus de 30 000 visiteurs y sont attendus. Nous poursuivons toujours notre édition et toujours nous essayons de jeter plus de lumière sur les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le chef de l'État a participé via visioconférence au forum de coopération Chine-Afrique avec la participation du président chinois Xi Jinping et de plusieurs présidents africains. Le forum a été témoin d'une discussion sur les moyens de consolider le partenariat constructif entre le continent africain et la Chine, y compris la coordination, la consultation concernant des défis auxquels les deux parties sont confrontées sur la voie de la reprise économique des répercussions de la pandémie du coronavirus. Marwa Arafat et Achel vont donc vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah al-Sissi a regagné l'Égypte après sa participation à la conférence de l'ONU sur le climat, COP26, tenue à Glasgow. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la participation du président à la conférence est venue en réponse à l'invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson, alors que le Royaume-Uni assure la présidence actuelle de la conférence. À la lumière du rôle important de l'Égypte au niveau régional et international dans le cadre des négociations sur le changement climatique, le porte-parole a affirmé que le président a mis l'accent sur les questions préoccupant les pays en développement en général et les pays africains en particulier, notamment le renforcement des efforts pour la promotion de l'action climatique internationale, tout en soulignant que les pays industrialisés doivent respecter leurs engagements dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique, ainsi que l'aspiration de l'Égypte à accueillir la prochaine conférence sur le changement climatique l'année prochaine, en 2022. Le porte-parole a ajouté que le président tenait des entretiens avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Ils ont examiné les moyens de renforcement des relations bilatérales, ainsi que la poursuite des consultations et de la coordination mutuelle concernant certains dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président a aussi tenu une série de réunions avec certains chefs d'État et de gouvernement participant à la conférence pour examiner l'avancement des cadres de coopération bilatérale, ainsi que la consultation et l'échange des visions sur diverses questions régionales et internationales. Parlons donc un peu plus de l'économie. Cette fois-ci, on trouve que le Premier ministre, Dr. Mustapha Madbouly, a affirmé que les citoyens valorisaient les projets mis en œuvre dans le cadre de l'initiative Vie décente, qui répondent en fait à leurs ambitions, jugeant ainsi importante l'accélération du rythme du travail dans les 10 projets. M. Madbouly a tenu de tels propos lors de sa présidence de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Marwa Arafat et Achel, toujours, vont être à votre service pour vous donner plus d'explications. Le Premier ministre Mustapha Madbouly a tenu une réunion avec le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Yahya Zaki, et cela pour faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets dans le cadre de la zone économique.
Le chef du gouvernement a souligné l'importance de la zone économique du canal de Suez en tant qu'attraction majeure pour les investissements du monde entier, compte tenu de sa situation unique et distinguée et des multiples avantages qui la rendent capable d'attirer diverses industries dans l'intérêt de l'économie nationale. La zone économique a pris des mesures exécutives pour établir des complexes industriels dans la région de l'Est de Port Saïd, a confirmé M. Zaki, soulignant qu'il est proposé d'établir un complexe de fabrication automobile, notant que deux sociétés internationales dans ce domaine ont exprimé leur désir de rejoindre le complexe. La zone économique adopte un plan d'investissement ambitieux en un temps record pour attirer davantage d'investissements locaux et étrangers sous forme d'investissements directs dans le cadre du plan de l'État pour développer l'efficacité du réseau de projets d'infrastructure, a expliqué le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez. Restons toujours avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouly, qui a mis en exergue l'intérêt accru, que le gouvernement égyptien accorde actuellement à la localisation de l'industrie automobile en Égypte, soulignant que le gouvernement était sur le point de lancer la stratégie de l'industrie automobile pour transformer l'Égypte en un centre régional international pour la fabrication de voitures et des industries manufacturières. M. Madbouly a tenu ses propos lors d'une réunion avec le nombre de PDG de groupes automobiles en présence du président exécutif de l'Autorité générale pour l'investissement, les zones franches Gafi, Mohamed Abdelwahab. Cette nouvelle stratégie a précisé que le Premier ministre fournira des avantages d'investissement pour soutenir l'implantation de l'industrie automobile. M. Madbouly a également remercié General Motors et Mansour Group pour leur participation à l'initiative présidentielle pour la conversion des véhicules vétustes, jugeant importante la mise au point d'un plan proactif pour accroître la production après la crise dont souffre l'industrie automobile à l'échelle mondiale. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouly a favorablement accueilli l'accord conclu sur le renouvellement du protocole de coopération financière avec l'Espagne pour 400 millions d'euros. Ce protocole, a-t-il dit, renforcera le partenariat entre les entreprises égyptiennes et espagnoles et contribuera aux efforts de développement. Lors du forum d'affaires égypto-espagnol, M. Madbouly a indiqué que le forum permettrait le renforcement de la coopération commune. Au niveau, bien sûr, de relations avec le continent européen, on trouve que la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Almashat, a souligné l'importance d'impulser la coopération avec Bucarest dans les divers domaines de développement, vu que l'Égypte était le premier partenaire en Afrique et au Moyen-Orient de la Roumanie. Madame Machat a tenu ses propos lors de son entrevue avec la vice-ministre roumaine de l'économie, du tourisme et de l'entrepreneuriat, Daniela Nicolescu, pour discuter des préparatifs de la quatrième session du comité conjoint égypte-roumain pour la coopération économique, scientifique et technique prévue en 2022, ainsi que les préparatifs du forum d'affaires conjoint. Elle a passé en revue les axes du programme de réforme économique et structurelle adopté par l'État depuis 2016. Pour sa part, la vice-ministre roumain a souligné le souci de son pays à relancer ses relations avec l'Égypte dans les divers domaines d'intérêt commun. Elle a confirmé l'importance de la coopération dans le domaine du tourisme à la lumière de la distinction du côté roumain dans le domaine du tourisme thérapeutique. La ministre du Plan de développement économique, Hala Assaïd, a affirmé l'importance d'élargir les projets de transformation numérique et de développer les services dispensés aux citoyens lors de la prochaine période. Dans un rapport publié par le ministère du Plan sur les réalisations de projets de transformation numérique jusqu'à septembre 2021, la ministre a évoqué l'extension de la mise en place des centres technologiques mobiles pour épargner aux citoyens temps et effort. Le rapport a évoqué le projet de développement des centres technologiques dans les quartiers et les villes, en plus de la tenue d'ateliers de travail et de stages de formation pour les dirigeants locaux. De retour dans
donc aux activités présidentielles, mais cette fois-ci au niveau sanitaire. À cet égard, on trouve que le président de Fattah Sissi a ratifié la loi numéro 125 de 2021 sur les mesures de lutte contre les épidémies et la pandémie. Selon le premier article de la loi qui a été publié au journal officiel de lundi, le Premier ministre a le droit d'émettre une décision sur les mesures nécessaires à prendre en cas d'épidémie et de pandémie après son approbation par la Chambre des députés. Passons ainsi, chers téléspectateurs, au niveau africain, au niveau des efforts déployés de la part de l'Égypte sur le niveau du continent, de notre cher continent Afrique. Et bien sûr, on y trouve que l'ambassade d'Égypte en Éthiopie et son représentant permanent de l'Union africaine, Mohamed Omar Ghed, a conduit la séance du Conseil de paix et de sécurité CPS de l'Union africaine sur les retombées de changement climatique dans le cadre de la présidence égyptienne du Conseil durant le mois de novembre. L'Égypte a affirmé le poids croissant des conséquences du changement climatique sur la sécurité hydrique et alimentaire dans les pays africains, de manière à saper les efforts du développement durable dans le continent et multiplier les menaces sécuritaires à l'égard de ces États, bien que leur contribution à cette crise mondiale soit limitée. C'est ce qu'a fait savoir M. Ghed selon le communiqué diffusé par l'ambassade d'Égypte à Addis Abeba. Parlons actuellement, chers téléspectateurs, des sciences et des technologies ici dans le monde égyptien. Et j'aimerais bien sûr vous présenter actuellement une nouvelle très importante en ce qui concerne le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Tarek Chaouki, qui a pris note lors d'une visite à l'école de formation des enseignants Viki à Helsinki de sa contribution dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans ce pays et ce, dans le cadre du deuxième jour de sa visite en Finlande. Selon un communiqué par le ministère de l'Éducation, M. Chaouki a écouté la directrice de l'école Viki, qui a attelé l'expérience de son école dans la création d'un environnement sûr et de haute qualité pour développer les programmes et méthodes de formation et d'enseignement. Cette visite est la première dans le cadre d'une série de visites à échanger avec les responsables finlandais. Nous devons donc clôturer cette édition par la réaction d'Al-Azhar al-Sharif vis-à-vis de ces pratiques, de la part de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens, dans les territoires arabes, notamment dans les lieux saints des Arabes et des musulmans, bien sûr. Cette fois-ci, on trouve que Al-Azhar al-Sharif a catégoriquement condamné la visite du président israélien Isaac Herzog à la mosquée Ibrahimi dans la ville occupée d'Hébron. Al-Azhar a affirmé que ces pratiques d'agression flagrante constituaient une grave violation des règles du droit international et des résolutions de la légitimité internationale, une agression contre les lieux saints musulmans et une tentative désespérée pour créer une nouvelle réalité dans les territoires palestiniens occupés par Israël, qui ne font que fortifier et enraciner la ténacité du peuple palestinien et son attachement à ses droits, sa terre et ses lieux saints. Al-Azhar, à cet égard, averti du danger que constituent ces attaques, appelant la communauté internationale et tous les gouvernements du monde à assumer leurs responsabilités, à adopter une position ferme et évidente pour arrêter ces provocations et garantir qu'elles ne se répètent pas. Donc avec cette dernière nouvelle qui a porté sur la réaction adoptée de la part d'Al-Azhar al-Sharif, cette grande institution religieuse musulmane, bien sûr, à l'égard des pratiques injustes de l'occupation israélienne dans les lieux saints, dans les territoires arabes palestiniens occupés par Israël. Nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre fidélité et toujours bon moment sur l'Internet international. Au revoir.